Ok, vas-y. 1, 2, 3. Alors, déjà, on va voir déjà niveau starter ce que t'as pu prendre. Je crois qu'en vrai, vu l'itémisation à la fin de la game, je crois que c'était pas trop mal en plus, concernant leur équipe. Mais par contre, ce qui est space dès le début, c'est le Teemo Smite. Lui, je sais pas s'il Comment a. ça? Ma Teemo en face, il a un smite. Ah oui. Du coup, ils ont deux Oui, smiteurs en ça. face. Alors, par contre, non. Tac. Ok. Ok, bon. Au début, invade avec Arbitrox, c'est classique. Putain, en fait, ils s'en sont même pas doutés quand même. Donc, ça aurait pu être un bon point. Ok, donc, si jamais la commande pour voir les golds, c'est X. Hein. Quand tu fais X, ça swap tes items avec les golds. Ah! Ah, j'avais oublié cette commande. Ah oui, pas mal. Et ton Lee Sin était FK tout du long ou. Non, non, Ok. non, non, du tout, il va. Il se repose. Il Il se prend son prépare. temps. Il se prépare mentalement. Voilà, vraiment, c'est le fight qui a pas besoin de prendre. Ouais, Voilà, je vais regarder ce qu'ils font. Ok. Bon, déjà, tant qu'ils t'aident, toi, limite, tu t'en fiches de ce qu'ils font, quoi. Parce que là, ça fait beaucoup trop longtemps que. Oui, on a Que eu personne. Ok. des starters plus compliqués que ça. Ouais. Ça va, s'il t'aide en vrai, c'est cool. Le problème, c'est Lee Sin. Ok, donc ouais, on sait que déjà que la vie elle commence bot side. Alors, un petit conseil avec Rengar, c'est d'éviter au début les camps avec trop de mobs comme ça. Donc, les golems et les oiseaux, limite les oublier. Bah, ok. Parce qu'en fait. Les golems, ça va, je trouve. Mais c'est les oiseaux. Par exemple, là, si je rotate directement après au callback, je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Je sais que j'y arriverai pas. Ah oui, Parfois, si je veux vraiment back directement, je prends peut-être juste le gros callback, si j'ai besoin de gold rapidement. Et après, je back et je refais mes callbacks plus tard en revenant. Mais Mais sinon, je sais que les callbacks, là, si je fais directement les callbacks après, je sais que ça passe pas. bah en soi, avec Rengar, toi, c'est un perso qui est super fort en early. Donc, déjà, attends, là, je me pose. Hop. Tac. Déjà, là, le fait de faire directement les golems. Tu perds du temps puisque c'est un camp que tu vas mettre longtemps à faire puisque t'as pas d'AOE quasiment, donc mis à part ton Z qui fait quasiment pas de dégâts. Donc tu mets très longtemps à les clean. Et en plus de ça, t'as une route qui est plus effective, c'est de faire. Donc tu vas directement, tu fais ton raid, hop, t'es loup, ton bleu et ton gromp, et t'es déjà niveau 3 là. Enfin déjà, juste en faisant raid, bleu et gromp, t'es niveau 3. Mais ça, c'est juste une route optimisée si tu veux ganker. Là, t'as fait rouge, golem, et directement, tu veux tenter un gank. Donc, ça, personnellement, je conseille pas. Parce que ça veut dire que, vite, tu sais qu'elle a commencé du même côté que toi, donc au bleu. Et là, attends, je vais remettre play, je vais voir s'il te voit. Ok. Ah, il te voit pas encore. Attention. Ok, donc là, il te voit. À partir de ce moment-là, il te voit. Donc, ça veut dire que Vi, si elle a un minimum de jugeote, elle se dit, ok, Rengar est bot, donc je peux lui prendre toute sa jungle. Et en plus, c'est un gank qui passe pas. Donc là, directement, tu viens de te mettre en retard, tu vois. Bon, Ok. lui, il tire bien. Ok. Et si, par exemple, je veux start blue et ma bleue elle est genre bot side, si on commence de l'autre côté, là je fais quand même mon gromp. Et Ouais. Donc tu fais, ouais, blue, gromp. après wolf. Après, tu fais les loups et Ok. directement ton raid. Au moins, Ok. t'as directement ton level 3. Ok, c'est plus ou moins ok. Mais ah là, du coup, tu fais un bon move. Là, je suis à 3 minutes 12. Ok, ça c'est parfait. 3 minutes 12. Oula! Oh punaise! Oh. Ok. Ça passe, mais. Ok, c'est quand tu tues la vie. Ah oui. Alors. Ouais, tu Alors. verras aussi plus tard. Ouais. Là, donc c'est bien, t'as vérifié dans sa jungle s'il y a quelque chose, mais t'aurais pu le savoir en faisant tab, tu sais qu'elle avait 12 CS et qu'elle était niveau 3. Vu que. J'y pense pas du tout à faire ça. Alors ça, parfois, bah comme je t'ai dit la dernière fois, je regarde. Je vois, ok, elle a plus de CS que moi. Mais j'arrive pas forcément à savoir ce qu'elle a fait. Bon, en early game, tu peux vite le savoir. Alors là, du coup, ce qui est dommage, c'est que tu vas à ton blue. Alors, je vais juste mettre la caméra, tac, sans brouillard.
Et oh punaise, ah oui, alors là ça aurait été encore plus bénef pour toi, puisque alors Vi c'est une championne du monde quand même. Je vais mettre pause parce qu'il faut quand même savoir que c'est elle-même qui a clean tout son bot side Elle et revient. elle retourne dessus. Donc ça veut dire qu'il n'est pas trop au courant des respawns et tout ça. Donc moi ce que je t'aurais conseillé c'est qu'une fois que tu l'as tué, t'as fait le crab, donc ça c'est nickel, ça donne beaucoup d'XP et de gold. Ça aurait été de remonter et directement l'attendre à son raid. Et du coup le temps de faire le trajet, bah, tu serais carrément arrivé pile poil. Et t'aurais pu la kill. Attends, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, elle fait super mal. Donc ouais, si t'avais fait ça, t'aurais pu la choper ou lui piquer son raid. Ça c'est des réflexes à Okay. avoir. Si tu le tues vraiment très vite en early et tu sais qu'il a qu'un seul buff, tu peux te permettre d'aller checker, enfin l'attendre au prochain. Surtout avec Rengar, quand t'es topside du côté de son red buff, bah t'as tellement de bush pour sauter que tu aurais forcément tué quoi. Donc là, ce qui est dommage aussi, c'est que tu prends le temps de faire le gromp alors que le crabe il est up. Faut se dire que, je remets pause, les crabes c'est des camps qui sont, ils sont neutres. Donc c'est-à-dire qu'ils sont autant à toi, ton équipe, qu'à eux. Donc le but c'est d'essayer de l'avoir avant eux. Donc faut essayer de l'avoir le plus vite possible. Donc là j'imagine que tu te diriges dessus. Ok, parfait. Donc là c'est parce que Vi fait des erreurs aussi, mais logiquement elle aurait juste essayé du rusher le crabe et le raid. Elle aurait récupéré son retard. Bon du coup c'est bien si tu l'as, tac. Alors, là tu vas top, ok je. Alors, je mets pause, tac. Là, t'avais un bon timing pour aller au mid. Parce que t'avais ton Hermendinger qui avait un bac d'avance déjà, donc il avait du stuff. T'avais Harry qui jouait vraiment beaucoup du Ouais, qui côté du pushait. bush. En fait, elle était limite à la range du jump du topside, tu sais. Du coup, là, t'avais vraiment le bon setup pour aller gank, puisque elle aurait voulu push sa lane pour que ça aille sous tour. Hermendinger venait d'arriver, donc il était en full en ressources. Alors que là, tu vas au top sur un Lee Sin qui a quasiment plus de PV. Il y a une grosse wave pour Teemo qui arrive et en plus il a un level d'avance. Donc ça, c'est c'est pas le move à prendre. Surtout que Ouais. tu sais que Vi va être topside normalement puisqu'elle devait faire son red buff. Donc là, c'est un move très risky. Je vais voir ce qui se passe, Ah, mais j'ai pas. Maintenant que tu me le dis, oui, c'est ouais. logique, mais j'y ai pas forcément pensé à ce moment-là. Ça c'est des réflexes à prendre. Faut essayer de voir la vie de tes alliés. Pour te tenter les moves. Donc là où ouais, t'es vu. Donc là tu vois tu perds un peu de temps. Et même si tu meurs pas, c'est du temps où tu montres à vie où t'es. Donc là voilà, elle en profite. Lee Sin, il veut pas follow parce qu'il a vraiment pas beaucoup de vie. Ok, donc tu vas t'en sortir. Oh putain, le Teemo il est énervé. Oh. Ah ouais, tu peux pas taper dans la plante quand t'es blind. Ah vous le tuez là. Oui. Je Il a m'acharnais volé. Alors, et non plus, t'as pas timé dans le chat le flash du Teemo. Ah, c'est sans doute parce que je l'ai zappé. Ah, ou alors, peut-être tu l'as fait, mais tu l'as écrit, du coup, on voit pas. Ah mais non, je l'ai pas écrit, ça c'est sûr. Je pense Ok. que j'ai juste zappé. Bon, le Teemo qui est plutôt cool, qui donne un free kill. Alors là aussi, erreur. Je mets pause. On sait que Vi, elle est au top avec quoi? Voilà, la midlife. Vous êtes deux. Vous avez. Enfin, vous êtes deux en fait, c'est surtout ça l'important. Vous êtes deux avec tous les deux, toi t'as du sustain et Lee Sin a un shield. Donc on va dire que Lee Sin a un minimum de bras et que si jamais elle vient, il shield. Là tu viens de tuer Teemo, Teemo il a pas de TP. Donc en fait la solution, ce qui était à faire, c'est qu'en plus vu la wave du Lee Sin, ça aurait été carrément de pusher la wave pour que ça arrive sous la tour du Teemo, pour que ce soit soit Vi qui la récupère, mais en tout cas pas lui quoi. Là encore une Ok. fois c'est vraiment push, mais au lieu de ça vous vous acharnez sur la vie, aïe aïe aïe. Oh, finesse, ouais. C'est pas opti, on va dire. En plus, t'aurais pu prendre full XP sur ce move au top, ça aurait été bien. Bon, là, est-ce que ça sert de dire que tu grid comme pas permis? Ah oui, quand je lui balance mon... Je la titille. Là, regarde, d'ailleurs, je suis à 6 minutes 40. Je sais pas si tu peux mettre pause et regarder la wave qu'il y a au top. Il y a une giga wave qui se fait. Et ok, punaise. Ah non, mais là c'est. Ok. Bon. Il y a une giga wave qui se crée pour le Teemo, Oui. mais Teemo il décide d'aller bot. Ok, bon, en soi, c'est vraiment très bizarre. Ouais, c'est du dos-hilo, hein. Mais là, Lee Sin, là, il a vraiment aucune raison de TP. Bon, bref, on n'est pas là pour Lee Sin, on est là pour toi, mais. Ouais, s'il y a des gens qui nous regardent, on est en low elo, donc il y a des décisions qui sont prises un peu bizarres.
Mais bon, on n'est pas là pour les autres, on est là pour Rengar. Oui, entre bronze 1 et silver 4, silver 3, je crois. Du coup, là, le Timo, il s'est mis mal tout seul. Hein. Il a perdu une très grosse wave d'XP et de gold. C'est vraiment dommage qu'il fait. Mais bref. Donc alors... En plus, c'est un mini support. Ok. Donc, je n'ai pas précisé non plus, mais dans la game, là, je remets encore une fois une pause. Avant même d'avoir lancé la game, il y a une lane en priorité. Enfin, on va dire deux, dont une qui ne devient plus après. Mais il y a deux lanes, du coup, que tu dois spam ganker. D'après toi, c'est lesquelles? Bah, en fait, ma bot. Ouais. Déjà, ouais, il y a elle. Il y en a une qui est intéressante à ganker et qui après devient beaucoup moins. D'après toi, c'est laquelle? Bah, vraiment, au tout début, bah, sans doute Harry. Bah, non, c'est plus Timo en fait. Parce que Timo en early, avec Lee Sin en plus qui a un slow, c'est vraiment free kill. Enfin, là, c'est parce que ton Lee Sin était en retard, mais sinon, ça aurait pu être vraiment une lane pour ce feed. Ah, oui, au début de partie, oui. Parce qu'il a aucun CC, il peut juste courir plus vite, mais bon, tu le slow et du coup, Lee Sin, il peut facilement follow. Harry, ça peut se tenter, mais il faut vraiment sidestep son bisou. Donc ça, ça peut être une perte de temps. Par contre, bot, c'est le puits du feed, quoi. Jinx, Amumu, mis à part leur flash, ils ont rien. Donc j'espère que dès que t'as le level 6, s'ils push, tu leur mets un ulti sur la tête. Oh. Donc là, tu fais ton raid, c'est cool. J'ai pas dit non plus, mais au niveau du Tiamat, c'est cool aussi. L'item... Oui, avant, je rushais pas forcément le Tiamat, et je me rends compte que c'est tellement bien pour des push, pour tout, en fait. Sur Rengar, c'est un indispensable. Même l'item rouge, t'es même pas obligé de le faire. Là, contre vie, c'est pas mal, je trouve, puisque justement, ça te permet de duel, donc c'est pas mal. Mais tu peux clairement t'en passer. Donc là, alors, elle se fait dive au bot. Ah, là, c'est dommage. Putain, mais Timo, quoi. Ok. Alors, est-ce que... Ah punaise, alors là ok, je reviens un petit peu en arrière. Pour... T'es à combien de minutes? Alors là je suis à 7,55. Tu me dis quand t'es dessus aussi? Ouais, okay. J'y suis. Donc, toi t'es en train de faire tes golems au bot, ok. On voit qu'il y a ta... On voit juste sur la minimap, on voyait qu'il y a la botlane ennemie qui est vraiment très très près de la tour. Et on voit que ta hache est toute seule. Donc... Il y a de fortes chances qu'elle se fasse dive. Donc forcément ça arrive, elle se fait dive. Là tu aurais dû bouger un petit peu plus vite. Et là sur le Mumu, il y a un truc que tu aurais pu faire, comme t'as ton trinket, c'est de warder justement là où tu vois pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand t'es dans le bush avec le Timo. Ah oui, oui je vois, oui. En fait, tu peux mettre une ward juste derrière le mur. Bon tu le verras en vidéo, hein, je mets le curseur. Tu mets une ward juste derrière le mur. Du coup, ça donne la vision sur le MMU, et tu peux t'éloigner du Timo qui a plus haut level, et le tuer. Bon, lui, il revient pour sonner un kill, donc ça, c'est cool. Elle aurait pu faire un coup pour la Jinx aussi. Bon, soit tu prends un doublé. C'était le mieux à faire, là. Et t'as ton niveau 6, j'imagine. Tac, yes, t'as le niveau 6, donc ça, c'est vraiment cool. Alors, du coup, là, quel sera ton plan de jeu? En sachant que Vi, on vient de la voir au topside. Elle était que niveau 5, elle a pas encore son blue buff. Et elle reste topside. Moi je pense ouais que je vais me diriger vers le dragon, je pense. Alors faut savoir que là t'as vraiment l'avantage dans la game, t'es niveau 6, t'es quasiment le même level que les solo laners. Bon la botlane c'est pas à prendre en compte parce qu'ils viennent de suite. Mais tu vois là t'as l'avantage, tu sais que Vi elle est top. Et tu vas dans ta jungle. Alors qu'elle a son blue buff qui vient de up. Ouais. Donc ça c'est un petit défaut, tu aurais pu directement y aller. Bon l'avantage c'est qu'elle passe mid pour bien que tu puisses la choper. Alors, est-ce que tu as one tap? Ah finesse, elle fait essayer avec le push, du coup tu peux même pas jumper. Ok donc ça c'est parfait. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez elle j'espère? Yes, impec. Deux fois hein. Et je crois que je l'ai retu de la même façon une troisième fois. Donc là, à un moment je crois qu'elle flame dans le chat à cause de ça. Elle ping beaucoup ses alliés en tout cas. En tout cas, t'as mis une bonne ward là, elle donne la vision sur partout où ce qu'elle va passer. Bot sa fight, t'as ton ulti, ok, ça c'est nickel. Tu focus. Alors, ça c'est parfait aussi. Nickel.
La Mimute aurait pu le trade, sachant que... Ouais, chasse son ulti, en vrai, ouais, parfait. Ouais, lui, il se donne, ça, c'est cool. Ça, c'est bon. Alors, est-ce que tu vas push la wave? Ah, ça part bien. Ah, dommage, dommage. Non, non. Ça part bien. Attends. Ah, il y retourne. Ok, ok, c'est cool. Ça va. Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai mis un petit doute. On sait que Vi, elle est bot parce qu'elle vient de claquer la plante et t'as tué les deux au bot, donc c'est forcément elle. Par... Oh, en plus, il tape la tour. Alors ça, c'est impeccable. Il faudra attention à ne pas rester trop longtemps. Donc là, c'est bien. En plus, tu t'es pris quelques golds. Là, parfait. Honnêtement, là, ce move-là était propre. T'as tué la bot lane, t'as push ta wave, t'as tapé la tour. Là, clairement, tu viens de mettre un avantage de gold de ouf dans la partie. Il y a déjà... Il y a 3K d'avance, déjà. Ce qui est pas dégueu du tout. Là, je m'attendais absolument pas à ce que la va efface le dragon. En soi, c'est pas très grave. Hein. Un Drake des océans, contre ton équipe, c'est pas le pire. Quoi. C'est bien pour moi, pour la map, hein, c'est tout. Ben, surtout que ben, tu l'as pas sur celui-là, il faut que ce soit le troisième pour que t'aies la map. Et, ah oui, c'est vrai. Justement, quand c'est en premier, oui, mais... c'est dommage, parce que tu sais forcément que ça sera pas la map océan. Donc là, tu te diriges bot, je sais pas pourquoi, puisque t'as tout ton topside à faire, ok. Donc ça, c'est cool. On peut supposer que Vi est topside, parce que son red buff était up après son blue, et qu'on l'a pas encore vu, donc je pars du principe qu'elle est topside. Je vais mettre pause et vérifier, mais après, vu ce qu'ils me font... Ok, elle est encore au bot. Elle est encore au bot, alors qu'elle a clean toute sa jungle. Bon, ok, j'arrête de faire de suppositions ici. Mais dans l'idée, elle aurait dû être topside. Ok. Alors, attends, est-ce qu'ils... Ouais, ils ont fait le Drake, ils viennent de le faire. Donc là, tu peux rush l'Herald. Impec. Tu vois Vi, donc tu te caches, donc ça c'est nickel aussi. Donc là, tu sais que Vi, elle a pas de red buff sur elle. Donc, tu peux te dire, ok, si elle monte, je vais la chercher. Donc est-ce que c'est ce qui va être fait? Suspense. Ah, là, tu prends un risque. En vrai, c'était bien ce que tu faisais parce que on voyait que tu voulais l'attendre pour la kill. Mais au lieu d'aller dans ce bush là, qui a beaucoup de chances d'être wardé, tu pouvais aller directement dans le bush d'au-dessus, tu sais, qui est dos à son raid. Celui qui est entre le... Ah oui, d'accord. Dans celui-là, ouais. Au moins tu la vois passer. Au mieux, tu lui sautes dessus. Et au pire, tu la vois passer. Parce que là, t'es dans un bush qui a de fortes chances d'être wardé. Et d'ailleurs, il y avait un champi de Teemo. C'est dommage parce que l'idée était bonne. Et là, voilà. Ouais, c'est là où je consacre. Ouais, là, c'est le problème. Tu vois, il y a même pas eu de mort ou de kill ou quoi que ce soit. Mais direct, le move, il est pas bon puisque tu réagis à ton équipe. Là, tu vois qu'il y a les gens qui sont en train de se battre. Tu te dis, ok, vas-y, je vais l'aider. Mais mis à part l'Hérald que vous pouvez faire derrière, il y a pas grand chose. Et en plus, vous êtes en infériorité numérique puisqu'il y a Vi qui est pas loin. Donc là, c'est très risqué. Tu perds ton ulti. Là, il y a le Teemo. Oh, après, tu lui mets 2 levels, donc ça va. Bon, là, il a fait un peu trop le vol, Teemo. Et là, ça part en zoo. C'est... Et ça, tout part du move où t'as voulu aider Lee Sin. En vrai, t'avais juste à rester dans sa jungle à Vi, juste wardé ou quoi. C'était pas mal. Ou push mid. D'ailleurs, c'est ce qui fait un Mudinger, donc ça, c'est cool. Mais oui, il y avait aucune raison de fight sur ce stamming-là. Ça, c'est dommage. Bot, il push, donc ça, ils font ce qu'ils font, ouais. C'est bien. Donc là, il faut que t'ailles bot, puisque t'as toute ta jungle à clean. Top, ça sert à rien, puisque t'as pas d'ulti, et puis dans tous les cas, ils sont trop nombreux, donc tu peux rien faire solo. Rengar, faut se dire que, ouais, être avec la team, ça sert quasiment à rien si en face, ils sont ensemble, quoi. Sauf si t'as un GA. Ok, on voit V-Bot, donc est-ce que tu vas les aider? Ah, non. Dommage. Alors ça, c'est dommage aussi, puisque on voit qu'il y a Vi qui descend. En plus, t'es du côté bot side. Et tu vas pas les aider, alors que tu aurais pu les tuer pour prendre la tour ensuite. Ah, si t'y vas, mais un peu tard. Ok, Vi qui meurt déjà. Encore les champions de Teemo qui sont vraiment très chiants. Alors là, par contre, dans cette game, il faudrait vraiment faire
et Mercury rapidement parce que t'as Teemo et ses champis et son blind qui sont vraiment très très chiants pour toi. T'as le bisou de Eric, pareil, c'est un CC avec Rengar, t'as absolument pas envie d'être CC. Le slow de Jinx, les stuns d'Amumu, ouais. Mercury, c'est vraiment un item à faire assez rapidement sur les assassins quand il y a beaucoup de CC comme ça. Donc là, pour le coup, vous avez 3K d'avance, vous avez beaucoup de tours. Là, vous êtes normalement vainqueur, quoi. Mais. Oui, sur le papier, quoi. Ouais, quelque chose se passe mal. Ok, donc encore une fois, très bonne ward. Ça c'est toujours classique. Yavi, donc ok, parfait. Tu aurais peut-être dû tanker un peu plus tes CD, mais ça passe, voilà, parfait. Elle est pas bien là, il a footing en plus. Ouais. Elle panique. Hein. Bon là, il y avait la bot lane à push, mais c'est pas grave en soi, puisque ça push tout seul. Mais... Ça fait gagner un peu de temps, ok, les raids y est fait, cool. Ok, t'as ton ulti. Alors, j'imagine que lui va retourner bot, puisqu'elle aime bien aller checker ce que tu fais. Alors, là tu veux la Harry. Tu vois là, c'est le problème, c'est que t'attends trop une action, qui, si elle passe, c'est cool, vous pouvez débloquer la mid lane, mais si elle passe pas, ben, tu perds juste du temps. On sait qu'il y a Harry au mid, au top, il y a les trois autres. Et tu sais que Vi, tu la one shot, donc en fait c'est un peu une menace. Donc là t'avais juste à aller push bot. Et t'aurais peut-être pu bien démolir la tour. Mais là non, tu vas top. Donc ouais, en fait là le but c'était simplement d'aller bot, pusher. Parce que bah eux ils sont top donc c'est très bien pour eux. Soit ils prennent la T1, soit ils la prennent pas parce que tu mets trop de pression et du coup ils sont obligés de back. Mais là t'as aucune raison d'aller top. Vi elle est retournée à son bleu, elle aime trop les checker ce que t'as fait en fait. C'est l'inspecteur des travaux fini. T'es à combien de minutes? Parce que je Là, crois je que je suis à suis. 16 minutes. Enfin, 15:57. Ok. Alors t'as pas vu encore l'horreur. Et là, encore une fois, ouais, t'as... Oh là là, ouais. Aïe, 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 aïe. Dès Ok, que là, j'appuie sur R. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça, parce que t'as toute la jungle de vie qui est dispo. Mais oui, Quand tu viens la kill. Ah mais quand je regarde mes replays, j'ai des réactions, Ah mais ça m'énerve. c'est exactement ça. Si tu fais des face palm et tout, c'est tant mieux. Au moins tu te rends compte des erreurs que t'as fait. Et tu sais que du coup c'est pas bon. Après quand t'es dans la game, tu t'en rends pas compte et c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais moi je suis là aussi pour te dire attention, mais ça valait vraiment pas le coup. Parce que là du coup, je sais plus si elle est morte. Je crois qu'elle est morte quand même. Mais t'aurais pu prendre le raid des Corbin et tout. Ça aurait pu être vraiment cool. Alors, t'as pas complété les bots encore? Ouais, les bots, tu les fais tard. Hein. Ça, c'est dommage. Alors, faut savoir dans LoL, et ça vaut pour toutes les games, c'est que quand t'es devant, vaut mieux faire de la défense. Surtout avec un assassin, c'est d'autant plus worse. C'est que les dégâts, tu les gagnes par ton level. Et du coup, t'as déjà deux levels d'avance sur Vi, t'en as deux. Sur Jinx, c'était le même level. T'en as deux sur Amumu et trois sur Teemo. Donc t'es vraiment devant par rapport aux autres. Au niveau du stuff, bon j'en parle pas, t'as déjà une Dractar à 17 minutes plus Tiamat plus ton item jungle. Là tu one-shot tout le monde, tous ceux qui n'ont pas d'armure. Et du coup l'idée ça aurait été vraiment de faire les bots de Rési magique pour toi avoir plus de facilité déjà pour aller dans la map, pour éviter les champis de Teemo et tout ça. Et même pour les teamfights puisque t'en fais pas mal quand même. Alors là encore une fois, tu vois tu réagis à ta team. Ta team a fait un move et du coup tu te sens obligé d'aller les aider. Deuxième grid. Ah dommage, tu veux même pas la... Aïe aïe aïe, en plus tu vas la chercher loin. Donc là encore une fois, ouais c'est... Ça c'est le problème, c'est que tu veux les kills. Bah normalement non. Mais cette partie, je sais pas, je me sentais plus là. Là, j'attends la fin de l'ulti. Ouh, ah oui, ok. Donc, à 17:40, 2, je mets pause. Et c'était, on va dire, juste avant Que que je passe ton l'aura ulti arrive. pour Amumu. Ouais. Il y avait Jinx qui était morte. Teemo, je sais pas où il est, mais encore une fois, Teemo, limite, c'est même pas à prendre en compte parce que tu le one-shot. T'as la botlane qui est en train de push. Et t'avais juste à aller push cette wave-là pour débloquer la game. Tu pushais ta wave, tu mettais 2-3 autos sur la tour. Et t'attendais dans la jungle. Et puis c'était bon quoi. Surtout que t'avais encore une ward, tu pouvais la poser là où tu la mets tout le temps. Parce que ça donne de la vision.
Et voilà, au lieu de ça, tu grind un kill que t'as même pas besoin en plus. T'es vraiment devant, t'as déjà le stack sur Amumu. Là, c'est vraiment juste, t'avais soif de kill. T'étais dans un RP Rengar. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Alors, le Teemo Genre qui est. sauter sur la Harry si elle était encore restée là, ok, mais le Amumu. Ah oui, mais en fait, dès que tu voyais que t'avais plus Harry, fallait aider limite ton mate. Elle peut pas partir aussi loin. Alors là, tu te diriges bot side, ça c'est cool. T'as une ward. Bon, par contre, j'ai pas vu de ping dans cette game. Ça c'est le malus là. Surtout avec des champis de Teemo, ça aurait été doublement intéressant. Alors. Que je pense pas aussi à faire, c'est switch ma trinket Alors, pour la rouge. ça sert souvent, ouais, c'est vrai, mais moi j'ai tendance à la garder avec Rengar, puisque justement, quand le mec il flash un mur et que je suis dans un bush, bah ça m'évite de flash un Ah mur, oui, quoi. pour ouais. Mais c'est vrai que le raid est aussi pas mal en jungle. Alors, la vie elle fait les rads. Oh non, vous l'avez vu quand même. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, tu l'as. Oh là là. Ok, si, c'est bon. Ah, tu vas la chercher, hein. Tu vois, même là, je suis à 19-16. 19-16, t'as ces corbins à côté, et tu les fais pas. Oui, parce que je savais qu'ils allaient venir. Alors, là, ça chase la Moumoux. J'espère que tu l'as. Non. Non, aïe aïe. Donc là, tu vois, quand c'est comme ça, tu vois que t'as plus ton slow et tout, t'as juste à reculer et push la wave. Là, tu perds du temps. Si tu fais ces corbins, ok, mais. Le mieux, c'est quand même de push les waves. En fait, tu peux push la wave et ensuite faire les corbins, alors que l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué puisque les creep ennemis auront push ta wave à toi. Donc là, la vie, bam. On va démolisser. Ok, attention, la wave va-t-elle être push? Yes, ça c'est bon. On pouvait même la prendre la tour, j'espère que ça va être fait. Ok, ça c'est bon aussi. Timon, on voit qu'il est bot. Donc potentiellement il y a la botlane et la mid qui arrivent. Donc là c'est très risqué, on sait pas où ils sont. Donc il faut vraiment pas rester à ce moment-là. Et qu'est-ce que je fais? Bah je reste. Là dans le bush, à la limite c'est bien. Mais faut pas grid puisqu'on sait toujours pas où est Jinx. Surtout qu'Amumu il a énormément d'armure là. C'est vraiment pas le mec à focus. Ok, donc là vous attendez, ouais, ça fait un peu longtemps. Là quand tu vois que c'est comme ça, faut s'en aller, faut juste aller faire des camps ou quoi pour gagner de l'XP, en sachant qu'il y a le Carapateur qui up. Ok, donc là c'est bon, t'as pas fight, c'est cool. Ah. Oh putain, la bandette qui touche. Ah moi j'ai rien dit. Ça va partir en fight. Je le sens. Et en plus ça se passe tellement mal, je sais pas pourquoi j'aurais dû partir. Ah oui, en plus toi tu Encore. claques l'ulti, ouais. Aïe aïe aïe, ah oui en effet ouais. Ah tu tentes de Claquer mini. l'ulti ça va, mais revenir avec alors que j'ai 2 HP ça va pas du Ah tout. oui là c'était pas vraiment worse. En plus, c'est là où tu vois que c'est horrible x2 puisque les ennemis d'en face ils font comme toi, ils chase énormément. Donc en fait si t'avais eu 2 HP sous ulti et que tu t'étais enfui, je suis sûr qu'ils t'auraient cherché et du coup ils auraient même pas push mid. Ça c'est une supposition hein, mais. Il y avait moyen que ça se passe comme ça. Et Amundinger, lui, il donne tout pour gagner la game, il push énormément, donc ça c'est cool. Ouais. Lâche, qu'est-ce qu'elle fait? Aïe aïe aïe. Voilà, c'est la débandade là. Donc là, ah, t'as toujours pas les bots à 20. Ouah, ouais, les bots, faut vraiment les faire en deuxième item limite. Après, quand Tiamat, faire les bots, ça vaut vraiment le coup. Surtout avec un personnage qui a besoin de mobilité comme Rengar, quand tu sors des bush, plus tu vas vite, et plus t'as des. Enfin, comment dire. Quand tu vas vite avec Rengar et que tu sors du bush, ça te permet des fois de sauter un peu plus loin que affiché. Et du coup, quand t'as des statiques ou bien des bots, tout simplement, ça le fait. Alors là, tu vas failli check ton red buff. Alors ça, c'est très risqué aussi. Ah là là. Donc, elle est toute seule. Donc, c'est déjà bien. Là, l'idée, ça aurait vraiment été de jouer top et mid. Vraiment, essayer de pusher un maximum les lanes pour essayer de ramener des gens sur toi. Toi, ton but, c'est vraiment pas team fight. Et depuis le début, c'est ce qui se passe malheureusement. C'est qu'il y a beaucoup de fights à plusieurs contre vous.
Oui, surtout que je déteste teamfight avec Rengar, c'est ce que je fais. Ah oui, bah, de toute façon, avec... moi j'évite les teamfights en solo queue tout simplement parce que c'est trop aléatoire. Donc là, c'est très bien, tu focuses pas la vie puisque tu sais qu'elle est morte. Oh, t'as fait un bon fight. T'es à combien de Là, je suis minutes? à 23 minutes pile. Ok. Là, pour le coup, le fight est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc là, le but, ça aurait été de pinguer comme un fou furieux le Nashor. Parce que là, regarde, voilà, ton équipe, elle a fait des kills et il se passe rien. Ils back tous. Ah, t'as fait des tabis en plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Donc là, encore une fois, est-ce que tu veux les fight la Harry ou pas? J'espère pas. J'espère pas aussi. J'ai oublié. Parce que Harry est déjà level 14, elle est top level dans la game, elle est vraiment bien. Ok, donc tu mets la vision dans le jungle, c'est cool, c'est pas le meilleur endroit pour la mettre, mais pourquoi pas. Ok. Donc ça, c'est cool aussi, vous la tuez, c'est bien. Bon, tu laisses faire une Dinger Push, pourquoi pas. Tu fais passer Corbin. Aïe aïe aïe. Vraiment, ouais, dès que tu vois que la jungle elle est open, faut l'y prendre quoi. Encore une fois, est-ce que tu l'as fait? Yes, ok, cool. Alors là, Lee Sin, il fait aussi une erreur, il push pas la top lane, donc c'est à toi d'y aller. Là, sous tour, comme ça, tu peux rien faire quoi. Tu peux pas te permettre de dive, surtout qu'il y a un Mumu. Donc là, au lieu d'attendre, faut aller faire le carapateur du Nashor et aller push top. Vraiment, là, la top side. Et la mid lane à ce moment-là de la game, faut vraiment pas qu'elle soit push, puisque en fait ça peut leur permettre d'aller au Nash ultra rapidement. Et du coup, faut essayer à chaque fois de les garder pushés. Ouais, en fait, ouais, le problème, c'est ça, c'est que t'es trop avec la team. Parce que t'as vraiment l'avantage encore maintenant. Et le but, c'est de toi les attirer vers toi. Et pas l'inverse. Là, en fait, tu vois, c'est eux qui sont en train de faire des moves, et du coup, tu vas vers eux. Coup, mais surtout que je grille encore. Là, le seul mec feed, il va mourir parce que. Ils ont forcé un teamfight en face. Là, Mimi, il va jamais crever, il y a trop d'armor. Ah, je monte en Dinger, ok, nice. Et là, en fait, il peut rien se passer puisque Harry, elle a du dépush à l'infini. Donc, malgré le teamfight, ben, vous gagnez rien. Et c'est juste ça, en fait. La solo queue, c'est juste ça. Il faut push. Et quand t'as des persos en face comme Harry, Jinx. Tu peux pas push quand ils sont sur la lane sans Nashor. Donc soit tu vas push là où ils sont pas, ou soit faut faire une Nashor. Et là, il y a aucun des deux, il y a juste ouais, ton équipe qui essaie de push, donc ça c'est cool. Donc il faudrait essayer de leur mettre de la vision au pire. Mais vraiment, ouais, toi ton but c'est vraiment pas de faire les teamfights avec eux. Limite, Lee Sin il peut te remplacer dans les teamfights, mais toi faut que tu sois sur une lane et puis tu push quoi. Alors, je sais pas sur quel item tu parles. Ah bah si, tu pars sur l'hydrovorace, je crois. Alors ouais, pareil, l'hydrovorace, je suis pas fan, puisque t'as vraiment Harry qui est feed, t'as Mumu qui est bien dans sa game aussi quand même, et t'as un Teemo. Là, clairement, ça aurait pas été volé de faire de la RM. Donc soit un Ex-Drinker si tu veux continuer des dégâts, mais visage speed, limite, c'est ultra bien. Surtout si tu pars sur du lifesteal ensuite. Alors là. Ouais, l'optimisation de mes items. Ouais. C'est pas ça. Puisque Jinx. Enfin, limite, c'est pas elle qui doit te faire mal, puisque t'es pas censé prendre des fights quand elle est là. Alors là, allez, si tu tues la vie et que tu fais un gros trou bot, c'est parfait. Ok, la vie elle meurt. L'émission numéro 1 est remplie, tu push, ok. Est-ce que tu vas rotate? Non, ok. Alors là, ton équipe, elle doit se dire, ouais, punaise, t'es relou, tu fais rien. Mais pour le coup, c'est le seul truc que tu peux faire, puisque tu peux pas défendre un ennemi tout seul avec Rengar. Alors le Teemo, quand j'ai vu le replay, je fais, ah bon, il venait de là, le Teemo? Ah oui, ok, le malin. Alors... Est-ce que tu prends un tour quand même? Ah bah tu le détruis du coup, ouais, faut... Ok, flash out. Allez, dis-moi que t'as la tour, bim. Allez.
Ah punaise, oh, t'as mis du temps. Ok, nice. Ça va, tu la prends. Là, honnêtement, c'est le moins pire que de ce qui pouvait arriver. Parce que si t'avais back, bah t'aurais jamais pris la tour, la T3, et puis ils auraient quand même pris l'inhib. Donc là, franchement, t'as fait le meilleur move qui était possible de faire. Ouf. Là, c'est risqué. Oh là là. Dommage. le flash scripté. Le flash ulti, bing. Malheureusement, ça ne faillera pas. Oh là, je vais perdre du beat. Ouais, c'est con parce que ton équipe, malgré tout, elle fait un taf pas trop horrible. Ouais, mais je vois vraiment pas comment j'aurais pu m'en sortir là. Non, là par contre, ouais, t'étais carrément mort là. Des... Ouais. T'as rien à faire de mieux. Mais limite, continuer sur la lane et puis je sais pas si t'avais eu. Ouais, peut-être, ouais. Okay. Parce que c'est que la river c'est souvent wardé aussi. Alors là, mid, ils prennent la tour, c'est pas ok. Donc ouais, là ça joue bien. Ils veulent défendre le top et y a aucune raison de le faire. Ah, c'est toi en plus qui l'a pingé. Aïe aïe aïe. Voilà, T1 top, en vrai, on s'en fiche complet. Les T1 en ce moment-là de la game, elles peuvent tomber si c'est pour trade avec d'autres tours. Alors, est-ce que tu dépêches bot? Aïe aïe aïe. Aïe aïe, tu dépêches pas bot. Donc là aussi, à 29 minutes, il faut ouais. Vraiment que tu dépêches les lanes, quoi. Parce que là, du coup, il y a une grosse wave rouge voilà, qui approche, qui tabasse ta tour. En plus, il retourne après. Ah ouais. En fait, ouais, j'ai hésité. Je voulais dépêche. Ouais. Mais encore une fois, ma team me fait peur, donc... Ah oui, non, faut te dire, t'as pas d'équipe, hein. Là, c'est vraiment toi. Et il y avait une grosse... J'y vais, mais c'était un peu tard. Ouais, ça a bien tapé ta tour. Mais en fait, il y avait déjà de base une grosse wave qui allait arriver après la première qui était là. En fait, ça se stackait. Du coup, il fallait des push pour refaire le counter push, quoi. Donc là, ton équipe qui meurt, mais soit. Enfin, là, tu peux rien. Ça se passe comment? Ils ont beaucoup de vie ou pas? Ok, ouais. Quand tu vois que la Mimu, il y a encore plus de 1000 likes, c'est compliqué pour toi de faire quelque chose. Donc là, il fallait encore une fois push la prochaine wave bot. Mid la hache, elle dépush. Ok, donc ça c'est cool. Et là, à 30 minutes, tu attends. Alors tu vois, à 30 minutes, t'attends. Si t'avais juste continué de push bot, il y aurait eu deux cas. Alors, soit ils auraient continué de faire comme ils font là, push top. Donc, t'aurais pu les prendre les nips directement puisque tu les voyais. Soit ils partaient faire le Nash. Et donc, encore une fois, tu pouvais te permettre de faire l'inhibiteur. Mais là, du coup, ben, t'as bougé, mais t'as pas pu faire grand-chose dans la map. Donc, ouais. Vraiment, juste, faut split. Du coup, tu split et tranquille, parce que là, du coup, t'as rien pu faire. T'as rotate pour essayer de défendre le Nash. Mais ils l'ont quand même fait, ils ont pris la tour. Et vous avez rien pu prendre dessus. Ouais. Après là ils vont dérouler je pense en face, ils vont encore une fois forcer, ils vont être à 4 au mid. Et là pour le coup ouais, quand ils ont de la short, t'es obligé de rester avec ta team et essayer de prendre un catch. Tout ça va, vous avez de la vision dans votre jungle, vous êtes remis à défense, donc c'est pas mal mais... Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le team ok solo, donc là faut le catch directement. Faut même pas chercher, t'avais l'ulti et tout, ouais. Avec ton ulti, tu vois tu es moins invisible. Hein. Je sais pas si tu sais. Ouais. Du coup, voilà, t'aurais pu... Dès que tu le voyais sur la map, tu savais que les autres étaient tous au mid. Tu aurais pu claquer pour aller le chercher. Là, ouais, vous allez giga loin. Il y a les gros creeps qui sont au mid. Vous êtes déjà trop loin. Quand c'est comme ça, faut juste essayer de push la première wave qu'on voit près de la tour, mais c'est tout. Parce que là, voilà, ils en profitent directement au mid. Ils prennent quoi? Ils prennent... Okay, ils peuvent juste... Ouais, ils sont malins. Hein. Ils rotate top, normalement. Yes. Voilà, t'es prêté comment? Il n'y a pas de raison d'y être normalement, puisqu'il y a très peu de chances qu'ils y soient. Bon, après, ouais, c'est. Il n'y a plus moyen de faire quelque chose. En fait, quand t'es dans ce moment-là avec Rengar, c'est très compliqué, puisque. Faut perso. Là, j'ai tenté d'ulti Harry pour le tout, parce que Harry c'était vraiment la plus. Je sais même pas. Bah en vrai, ouais, quand ils ont de la short en face et que t'as un Rengar, bah, tu sais que t'es mal barré puisque ton perso est vraiment pas fait pour ça. Sauf si t'arrives à les catch. Mais là, du coup, ça n'a pas pu être fait. Inhibiteur
Dommage. Et voilà. Donc, ouais, beaucoup c'est... de mauvaises rotations et de voilà, prise de mauvaise décision. Ouais. Ouais. C'est dommage parce que t'avais vraiment l'avantage au début. T'as vraiment réussi à te feed. En fait, le plus dur, tu le fais. C'est-à-dire se feed en early. C'est pas le plus facile et t'y arrives très bien. Et en fait, t'en abuses pas assez puisque tu vas pas invade la jungle de la vie. Enfin, t'y vas, mais pas quand elle est vivante, en fait. Enfin, c'est un peu bizarre. Genre, t'y vas, mais tu prends pas les camps et t'y retournes pas au bon timing. Genre, quand tu la tues au bleu la première fois et tu sais qu'elle a pas son raid, tu retournes pas la voir à son raid. Ça, c'est dommage. Aussi, pour le gank topside là, que vous avez réussi et qu'il y avait la wave qui pushait pas, ça, c'est aussi dommage parce que vous auriez pu la push. T'aurais pu te mettre bien en XP et ça aurait beaucoup deny le Thibaut, déjà qui était vraiment mal dans la game. Aussi, faire du speed push à gogo quand t'as ton Rengar, quand tu sais que tu peux... En face, là, tu pouvais 1v1 tout le monde à un moment dans la partie. Donc, quand tu vois que ta team elle regroupe, ben, toi, tu te mets sur un côté de la map. Principalement celui où il n'y a pas l'objectif. Et puis, tu push quand un malade, et puis... t'essaies de les ramener sur toi et les catch grâce à ta vision de leur jungle. Ouais. Bon. C'est dommage. Est-ce que tu as des questions? Bah... En fait, non, pas tellement. Parce que cette partie, il me manquait des pink wards, ça j'avoue. Ouais, elle t'aurait mis vraiment bien en plus avec le Timo. Je sais pas pourquoi je suis parti aussi sur des tabis. j'ai pas beaucoup réfléchi là-dessus. Bah surtout quoi, la vie tu la démolissais. Donc la seule menace c'était la Jinx. Mais encore une fois, Jinx, quand t'es vraiment bien dans la game, tu la one-shot. Et si jamais tu peux plus la one-shot... c'est que c'est les teams. Oui, j'y vais pas en 1v1 sans mon ulti vraiment. Voilà. Donc ouais. Les autres t'en fichent un peu quoi. Ouais. Et, ouais, bah. Faire un peu plus de RM, ouais, donc un ex-drinker ou bien. Limite, ouais, un visage pi pour moi, ça aurait pas été une mauvaise idée. Alors, j'aurais jamais pensé faire un spirit visage. Ah, pourtant, c'est super fort. Ça... Bah ouais, je sais, mais. Ça synergise bien. Sur Rengar, j'aurais pas pensé. Et bah après, ouais, c'est un assassin, mais là. Il y avait zéro tank en face avec ton stuff, tu les one-shotais déjà tous. Voilà, voilà. Donc, ouais. Okay. En tout cas, le début était pas mal. T'as vraiment joué l'invade. C'est cool. Profites-en plus, c'est-à-dire à continuer de. Si tu vois que tu l'as tué à un endroit, essaie de savoir où est-ce qu'elle va être après pour aller récupérer ou juste piquer ses camps. Les Drake, là, j'ai. C'est dommage. L'océan s'en fiche un peu de l'avoir perdu, honnêtement, il sert à rien. Par contre, l'infernal, c'est dommage parce qu'il aurait pu te mettre vraiment bien, toi. Et ouais, même l'Herald essayait de le faire aussi. Là, c'était compliqué parce que t'avais vraiment pas eu beaucoup de timing, on va dire. Vu ce qui se passait dans la map et les réactions que tu prenais. Ouais, je suis toujours trop focalisé ouais, sur mon équipe. Ouais, voilà, mais c'est ça. Hein. De toute façon, ça se voit même quand on regarde les replays, même toi, tu l'as vu. C'est que dès que tu vois qu'il y a un truc qui se passe sur la map, c'est cool, hein, ça veut dire que tu regardes la minimap, mais en fait, il n'y a même pas besoin de le faire. Puisque... Bah là, je suis en 7 victoires et là. Ça va, là je fais que push. Après, faut pas être solo player. Oui, bien sûr. C'est juste bien que sûr. Quand il y a des fights inutiles, où il y a aucun objectif, ou juste c'est ce fight pour avoir des kills et rien push, bah, faut même pas les prendre en fait. Et de toute façon, ton équipe, elle va le voir, elle va dire, ok merde, je suis tout seul maintenant. Donc, soit le mec, il est pas bête, il regarde et il s'en va, ou soit il y va tout seul parce que les autres, ils ont compris et c'est un mec qui meurt au lieu de plusieurs, tu vois. Mm. Voilà, voilà. Ok. On est good ? Au niveau des questions, non, rien pour le moment. Ok. Bah merci beaucoup. Mais de rien. Puis la prochaine, ouais, on verra. J'espère que ça sera, ouais, les brotettes seront bonnes, mais je sais pas, peut-être de la micro ou encore des petits trucs sur les objectifs ou quoi. J'espère que la prochaine game qu'on analyse sera une défaite où j'aurai 2 AFK. Ça sera vraiment pas de ma faute. À faire. Bon bah nickel.